Salut les fouteux et bienvenue pour une nouvelle vidéo mon petit gazon. Donc avant de commencer, juste pour vous dire que on va passer de 1 à 2 lives YouTube par semaine. Donc on va garder celui du lundi, normalement c'est lundi qui est vers 18h où je suis avec Typhoon, je suis avec Corentin de Wisport FR et de temps en temps il y a Johnny Fudal. Donc où là on débattra de entre nous et avec vous bien entendu sur le chat de l'actualité du week-end, ce qui s'est passé dans les matchs, vous poserez vos questions, mais c'est vrai qu'on n'a pas, on y répond du mieux possible, mais c'est pas énorme. Et je vais en prévoir un autre normalement le mercredi entre 20h et 22h, quelque chose comme ça. Ça devrait se dérouler comme ça. Vous l'aurez dans la programmation que vous avez sur Twitter ou sur Facebook, ou que vous retrouvez aussi sur Twitch. Vous avez la programmation des lives YouTube, vous l'avez dans le planning Twitch en fait. Et là, ce sera plus libre antenne. En fait, en gros. Je serai sur Discord tout seul et vous pourrez intervenir sur Discord. Je répondrai à toutes vos questions dans le chat et vous pourrez intervenir sur Discord pendant quelques minutes histoire de vous exprimer sur le sujet de votre choix. Voilà, donc on y revient sur mon petit gazon. Donc là, la deuxième journée, vous voyez, j'ai perdu 1-0 face à Arsenal. Maza a perdu, il y a eu 3-3 entre Typhoon et Shoka et Tentaculopus qui a mis un petit 5-2. Donc moi j'ai perdu 1-0, bon j'avais la Vasilanar pour lui annuler le but de Sabali, heureusement. Mais il y a une bonne équipe quoi, il y a du Kurzawa qui a fait un bon match, hein, qui a mis un but. C'est le but de Kurzawa qui me met mal. Il avait son Sabali qui a eu un 7,5, qui a eu une très très bonne note. Donc, mais ensuite, bon, c'était pas énorme. Falcao a pas marqué. Moi, de mon côté, c'était vraiment faiblard. Bon, Mbappé, malheureusement, qui est sorti plus vite que prévu. Le bon match de série, mais quelques 6. Et puis, le plus 0,5, qui l'a lui aussi. Et là, ça met un Mukele à 6,5. Donc, on a perdu 1-0, quoi. On a perdu tout simplement 1-0. Au niveau du classement, Arsenal est devant. Avec quand même 7 buts pour et 3 buts encaissés, hein. Tentaculopus est là, et puis moi qui vais jouer contre Maza, on est à égalité à la 3ème place, 3ème, 4ème. Donc il n'y avait qu'une victoire, une défaite chacun. Donc voilà, lui il a quand même mis un peu plus de buts. Au niveau des buteurs, vous voyez, c'est Neymar qui est en tête, il y a Balotelli et tout ça. Au niveau des joueurs, là vous les avez, hein, les gardiens, les défenseurs, moi qui est-ce que je place? Je passe Rolando avec un petit 6 de moyenne, c'est pas mal du tout. Ici je place Aïd Benacer, mais qui là est encore blessé il me semble. Et ici en attaque je place Rodelin qui est bon, j'ai bien fait de le prendre. Et puis ensuite bon, ça vous dit la valeur divisée par le nombre de buts, ça vous donne une valeur. J'ai toujours moins gagné avec son but ici. Au niveau des équipes, vous voyez que là je suis passé 4ème quand même. Avec le bonus, sans le bonus, je suis pas très très bien du tout au niveau de la note d'équipe. Voilà, donc vous avez tout, le palmarès, il n'y en a pas, puis les effectifs, vous les avez tous. Donc nous, on va passer sur les matchs ici. Alors vous voyez qu'on n'a pas de encore d'infos, ça a été actualisé il y a 6 jours. Donc j'ai choisi pour les matchs Dijon qui joue contre Rennes. Donc j'ai choisi de mettre Rennes au cage et Ruffy en remplaçant. Donc Saint-Etienne qui accueille Caen. Donc on verra si je laisse comme ça jusqu'au bout. En défense, on a un Marseille-Monaco, j'ai mis Rolando et Sakai, parce qu'ils ont des plutôt bonnes notes. Mais j'ai mis que Carbrat peut remplacer Rolando si Rolando n'a pas 4 de notes au moins. Et Carbrat, Guingamp qui accueille Nantes. Julien, je l'ai mis, le TFC accueille 3. Il y a possibilité que le TFC l'emporte. Et au cas où, je l'ai mis qui est remplacé par Perrin si jamais il n'a pas 4. Et Mukele, alors le Montpellier se déplace à Paris, ça va pas être évident, mais il est possible qu'il pose quelques soucis, puisque c'est quand même solide défensivement, sachant que quid de Neymar, quid de Mbappé, je sais pas trop, donc c'est possible, au cas où j'ai mis Dubois qui le remplace, Dubois, donc Nantes qui va jouer à Guingamp. Au milieu de terrain, j'ai mis Seri, donc avec une équipe de Nice qui va jouer à Metz, il y a moyen que Seri fasse un bon match, et pourquoi pas marque un but. Ensuite, j'ai mis Mangani, Angers qui accueille Amiens, Angers qui doit gagner. Après Amiens, ça va pas être facile à gagner, mais Mangani tire les coups de pied arrêtés aussi, donc il est possible qu'il fasse quelque chose, un but, une passe D, c'est possible. Et Rongier pour Nantes qui va à Guingamp, pardon. Et au cas où, j'ai fait remplacer par Iloki, qui est nantais aussi, si jamais Rongier fait à pas 4 de notes, voilà. Ensuite devant, alors j'ai pas mis Mbappé titulaire, je vais attendre d'avoir plus de nouvelles, peut-être que demain je changerai, je le mettrai titulaire. J'ai mis Ketkeo Fomfon. Ah pardon, c'est pas facile, hein. Ketkeo Fomfon, voilà. Ici, donc pour Angers qui accueille Amiens.
J'ai laissé ça comme ça, mais peut-être que je mettrai Mbappé titulaire si jamais. J'ai mis Rodelin, bien entendu. Donc, une équipe de Caen qui se déplace à Saint-Étienne. Et j'ai mis Berić. J'ai mis les deux. Alors, c'est vrai que c'est un peu risqué, mais je me dis que les deux équipes peuvent marquer et que Rodelin et Berić peuvent marquer chacun un but. Voilà ce que je me dis ici. Je ne vais pas prendre de malus pour l'équipe adverse parce que j'en ai plus que 5 et il faut que je les garde un petit peu. On arrive quand même qu'à la 3ème journée. Il y aura 14 journées en tout. Donc, ça ne va pas être si évident que ça. Donc, je n'ai pas pris de malus. En tout cas, voilà, bah, j'ai fait ma compo. Peut-être qu'elle changera sur Mbappé. Enfin, je ne sais pas trop, on verra. J'ai fait ma compo. N'hésitez pas, je vous rappelle, si jamais vous aussi vous souhaitez jouer à mon petit gazon, bah, vous le téléchargez. Mais vous avez surtout sur le Discord, et vous avez le lien du Discord dans la description, vous avez surtout des channels écrits et vocaux qui sont consacrés à mon petit gazon. Voilà, bah, en tout cas, moi je vous dis à demain pour une vidéo actu. On va traiter un petit peu de l'actu de la semaine. Je vais traiter 4-5 sujets pour une vidéo. Je vous remercie pour le nombre d'abonnés qui monte de plus en plus. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas dans cette optique-là, bien entendu, à partager la chaîne. Hein. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.